Bon, Mimi, t'es prête? On joue, hein? Qui est-ce qui souhaite une bonne année 2023? Alors, est-ce qu'en 2023, cette personne souhaite œuvrer pour le respect des droits des femmes? Ok, donc du coup, bah, c'est pas Gérald, c'est pas Recep, c'est pas Amir Velou, c'est pas Mohamed, bon, c'est pas Roman non plus, et ni Patrick. Ok, voilà. Ensuite, est-ce qu'en 2023, cette personne souhaite payer des impôts qu'elle doit à la France sur ses super profits? Ok, donc c'est pas Marc, c'est pas Tim et c'est pas Jeff. Ensuite, est-ce qu'en 2023, Mimi, cette personne souhaite recevoir le prix Nobel de la paix? Ok, donc c'est pas Vlad et c'est pas Machar non plus. Est-ce qu'en 2023, cette personne souhaite rendre enfin l'argent, Mimi? Ok, donc c'est pas François. Est-ce que cette personne souhaite que, contrairement à 2022, 2023 ne rime pas avec 49,3? Bien sûr que non. Ok, donc c'est pas Manu, c'est pas Olive et c'est pas Zabou. Est-ce qu'en 2023, cette personne souhaite le meilleur pour la ville de Paris, Mimi? Ok, donc c'est pas Anne. Est-ce qu'en 2023, cette personne souhaite relever le niveau et incarner la bienveillance à la télé, Mimi? Ok, donc c'est pas Cyril. Est-ce qu'en 2023, cette personne souhaite aimer son prochain, même s'il est musulman, noir ou tout simplement pas trop de chez nous, comme on dit chez les racistes? Ok, donc c'est pas Marine, c'est pas Jordan, et forcément c'est pas Eric non plus. Est-ce qu'en 2023, cette personne souhaite se battre pour le respect des droits de l'homme, des femmes et des Ouïghours? Ok, donc c'est pas que c'est Timpin, c'est pas Yahim et c'est pas Kim non plus. Et bah du coup, est-ce qu'en 2023, cette personne souhaite amour, santé et un maximum de pouvoir d'achat? Bref, une bonne année ou au moins correcte? Allez, bonne année.